Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Mesdames, Messieurs, chers invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, les maîtres mots de ce rendez-vous sont démocratisation, institutionnalisation, reconnaissance renouvelée. Démocratisation, Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est parce que nous avons, depuis le mardi 3, demandé aux jeunes de parler, demandé aux femmes de parler, demandé aux étudiants de parler, mais également demandé aux spécialistes de parler. Des panels qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir dire encore une fois merci à son Excellence, M. Macky Sall. Nous avons parlé du Forum Galien Afrique. Depuis 2018, vous étiez avec nous. Vous avez tout fait pour voir le bébé grandir. 3 ans après, nous avons eu le prix Galien Afrique. Tout ça sous votre impulsion. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous parlez très souvent d'équité, d'égalité, mais également de genre. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous avons vu l'équipe nationale des sourds-muets remporter la 3e place, mais symboliquement, Excellence, Monsieur le Président de la République. Coupe du monde de football des sourds-muets. Mais Excellence, c'est parce que vous avez donné une place à tout le monde, le Sénégal de tous et pour tous. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. À présent, nous allons donner la parole à Madame le ministre d'État, professeur Awa-Marie Kolsek. Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, Mesdames et Messieurs les ministres du Sénégal, mais également les ministres de l'étranger, et les ministres, je peux dire, de l'Afrique, parce que ce n'est pas l'étranger en réalité. Et je voudrais, Monsieur le Président, saisir l'opportunité qui m'est offerte pour rendre hommage à ces ministres qui ont toujours apporté une contribution au Forum Galien Afrique. Et je veux citer Madame Raymonde Godou Kofi, qui a, comme le disait ce matin, et qu'on a un peu rectifié, Monsieur Mbaye Diouf, il a parlé de votre dame de compagnie en Côte d'Ivoire. J'ai dit non. C'est le ministre accompagnateur. Et donc, elle est tellement proche du Sénégal que son président lui a dit que à chaque fois que le président Macky Sall vient, je veux que ce soit toi qui l'accompagne. Donc, elle nous a accompagnés jusqu'au petit Galien. Jusqu'au Forum Galien. Je voudrais également parler d'une autre personne, parce que je respecte tout le monde, mais je voudrais juste, pour ne pas être trop longue, parler également de M. Michel Sidibé. M. Michel Sidibé, qui lui aussi a toujours été là et n'a manqué pratiquement aucun rendez-vous. Je voudrais le remercier. Et enfin, bien sûr, la Fondation Galien International. Monsieur le Président de la République, vous avez été l'artisan du Forum et du Prix Galien, parce que quand vous avez été contacté pour que ce prix, après avoir cherché un peu partout en Afrique et faire, disons déjà, leur
Ils ont cherché quel est le coin le meilleur, où il y a le meilleur leadership, etc. Et ils ont dit, c'est le Sénégal. Mais vous auriez pu dire que vous avez tellement d'autres tâches et d'autres initiatives que vous avez poussées que peut-être ce n'était pas nécessaire de le faire au Sénégal. Mais vous avez voulu le faire et c'est pour ça que le forum et le prix Galien Afrique existent et on peut dire organisés depuis 6 ans au Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, vous m'avez honoré en me donnant encore cette tâche. Je sais que vous aimez bien me donner des tâches, mais bon, cette fois-ci aussi, nous avons pensé que c'était important de répondre à votre sollicitation, puisque vous m'avez demandé de m'occuper de l'organisation de toutes les activités autour du forum et du prix. Je voudrais vous dire que je suis très reconnaissante parce que vous auriez pu faire autrement. C'était votre initiative après. Vous auriez pu la gérer de la manière que vous vouliez. Mais vous avez voulu m'impliquer et j'espère que je ne vous ai pas déçu. Monsieur le Président de la République, mon propos, comme vous le voyez, ne veut pas rentrer dans des détails parce que nous savons que votre emploi du temps est très chargé. Je dis même, je ne sais pas comment vous faites pour nous donner une petite place, mais on la prend parce qu'elle est importante pour nous. Monsieur le Président de la République, vous nous avez beaucoup appuyé. Vous nous avez beaucoup appuyé parce que, au départ, c'est vrai que vous pensiez que peut-être il n'y aurait pas autant d'engagement du Sénégal. Mais vous vous êtes rendu compte qu'il fallait y aller. Et donc, du coup, vous avez accepté de nous appuyer, déjà d'une manière très importante, qui était de nous trouver un siège. Je peux vous dire, et sous le contrôle du colonel Sec, qui a été ébloui quand je leur ai fait visiter le siège. C'est un beau siège. Et vraiment, nous avons eu aussi l'opportunité d'un soutien de la Fondation Gates pour pouvoir avoir un vrai secrétariat. Parce que, vous le savez, Monsieur le Président, nous fonctionnons depuis le début simplement avec des volontaires. Les personnes qui auraient pu même aller faire un travail ailleurs, mais pour vous, pour nous accompagner, ont laissé tout tomber, rien que pour être là et nous appuyer par rapport à ce forum et au prix Galien. Vous nous avez également octroyé 30 millions de francs CFA par an pour le fonctionnement. Vous avez aussi mis 20 millions pour chaque prix. Et chaque lauréat, normalement, les lauréats du prix Galien liés aux différentes classes que nous avions trouvées ensemble, vous avez dit que vous voulez mettre 20 millions. Mais vous avez aussi lancé un appel. Peut-être que vous-même, vous en parlerez, mais je peux dire que votre appel commence vraiment à être entendu. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous dire que j'aurais pu rester pendant des heures pour parler de tout ce que vous avez fait pour nous, ne serait-ce que votre présence chaque année. C'est quand même, il faut le faire. 6 ans, et vous avez à chaque fois été là. Donc, au nom de tout le monde, de tous les participants, je voudrais vous dire merci et vous dire que j'espère simplement, puisque vous avez décidé de quitter vos fonctions de président de la République et de ne pas avoir un autre mandat, j'espère que vos successeurs sauront et auront une idée claire de l'importance de l'innovation, de la santé, mais également de tout ce qui a trait à la jeunesse et aux femmes, parce que c'est ça notre plateforme. C'est une plateforme pour les femmes, pour les jeunes, pour les experts, pour les innovateurs. Je voudrais dire un dernier mot, c'est au sujet du comité de pilotage. Je crois, j'en vois quelques-uns, mais sachez, Monsieur le Président, que tous les organes
qui devraient normalement appuyer une conférence comme celle-là ont été mobilisés et ont toujours travaillé avec nous pour que ce soit un succès. De votre propre office, puisque c'est la présidence de la République, jusqu'au ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, Santé, Enseignement supérieur, tout le monde était là. Et je voudrais, devant vous, les remercier et les féliciter. Le dernier mot ira aux volontaires, comme vous le savez, je termine toujours par ça, parce que je l'ai dit, je l'ai redit. Monsieur le Président de la République, si on n'a pas foi en notre jeunesse, c'est parce que peut-être on n'est pas tombé sur les bonnes personnes. Et nous avons eu à travailler, je vous ai dit, depuis 6 ans, avec des volontaires qui sont spontanés, engagés, qui, je leur ai dit qu'il ne faut pas qu'ils se surmènent quand même, parce que bon, c'est 3 heures du matin, madame, qu'est-ce qu'on doit faire sur tel? J'ai dit non, vraiment, dormez. Mais ils me disent, mais vous aussi, vous ne dormez pas. Donc voilà, monsieur le Président de la République, ce prix est le vôtre. Nous sommes venus répondre à votre invitation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous n'êtes pas déçus de ce qui se fait concernant le prix et le Forum Gallien. Je vous remercie. Merci. Merci au professeur Awabari Kolsek. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons parlé de démocratisation avec les panels qui ont été organisés et tout de suite avec l'intervention du professeur Awamari Kolsek, nous pouvons parler d'institutionnalisation. Nous sommes aujourd'hui devenus autonomes et grâce à vous, nous pouvons dire encore une fois merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, nous avons des sommités du monde de la médecine, mais également de la pharmacie. Mais nous avons l'honneur et le plaisir de vous annoncer la présence dans cette salle de personnalités qui étaient considérées à l'époque comme le trio gagnant au niveau de l'ONU-SIDA. Il s'agit de Peter Piot qui est dans cette salle. Peter. Peter Piot, s'il vous plaît, venez saluer Excellence, Monsieur le Président de la République. Peter Piot qui a lancé. Alors, à l'époque, nous parlions du trio gagnant parce qu'il y avait Peter Piot, il y avait Michel Sidibé et le professeur Awamari Kolsek. Et pour le Sénégal, nous avons eu des hommes et des femmes qui très tôt ont porté le combat de la sensibilisation, mais également du dépistage et de la prise en charge. Professeur Souleymane Boub, ici présent, merci. Il y avait Dr Ibra Ndoye, mais également les religieux, avec le cardinal Hyacinthe Tchandoum, l'imam Maodo Silla, Abdoulatif Gueye de Diamra, qui avait porté le combat et le flambeau très haut. En tout cas, Excellence, nous avons tous répondu à votre invitation parce que vous le méritez amplement. Vous nous avez indiqué la voie, c'est pourquoi nous allons donner la parole à notre cher Bruno Cohen. Bruno qui, depuis 2018, est avec l'autorité principale pour continuer ce combat de la recherche, mais également de l'innovation. Bruno, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Votre Excellence, Monsieur Macky Sall, Madame la Ministre d'État, Professeur Awamari Kolsek,
Docteur Matshidiso Moeti, directrice pour la zone Afrique, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé. Madame Wydad Bouchamari, prix Nobel de la paix, présidente d'honneur du comité d'honneur du prix Galien Afrique. Docteur John Nkengesong, président du jury du prix Galien Afrique. Distingués membres du jury du prix Galien Afrique, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les experts internationaux, chers amis, frères et sœurs. C'est avec une grande émotion que je réalise que l'année prochaine, le père fondateur du prix et du forum galien sera appelé à embrasser de nouveaux horizons. C'est donc avec une profonde humilité, un immense honneur, que je voudrais rendre un hommage particulier à un homme d'exception, Son Excellence Monsieur Macky Sall. Nous sommes ici pour célébrer sa vision, non seulement sa vision, mais aussi son courage, son engagement indéfectible en faveur du progrès de la santé publique en Afrique et dans le monde. Le président Macky Sall n'est pas simplement un leader politique, il est un visionnaire qui comprend que la véritable force d'une nation réside dans le bien-être de ses concitoyens. C'est cette conviction profonde qui a conduit à la création du prix Galien Afrique, un jalon historique dans le domaine de l'innovation scientifique sur le continent africain et également pour le prix Galien qui fut créé il y a plus d'un demi-siècle. Lors du lancement du Forum Galien Afrique en 2018, le président Macky Sall a souligné avec justesse que si les médicaments sont au nord, les patients sont au sud, et surtout que science sans conscience n'est que ruine de larmes. Ces mots résonnent encore en nous tous. Le défi majeur demeure, et malgré les progrès phénoménaux de la médecine moderne, l'accès aux traitements vitaux reste un défi pour une grande partie de la population africaine. Cette mission éthique a été clairement définie par notre président d'honneur fondateur, le professeur Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, qui insistait sur le fait que la santé est un droit humain universel, non un privilège pour une minorité. Le professeur Wiesel, mon père spirituel, était persuadé que l'innovation en santé doit s'inscrire dans une vision plus large du progrès humain. Cette vision, nul autre que vous, Monsieur le Président, l'incarnez. Maintenant, grâce à notre père fondateur, le prix Galien Afrique est plus qu'une récompense. Il est un appel à l'action, un appel à bâtir des ponts entre les mondes, souvent distants de la recherche fondamentale et des besoins de santé urgents du continent africain. Tandis que le Forum Galien, lui, est fait pour valoriser le rôle des femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, et mettre l'accent sur l'éducation et les jeunes leaders. Partager des idées, créer des partenariats et faire entendre la voix africaine pour répondre aux défis majeurs de santé publique que sont par exemple le changement climatique ou l'usage de l'intelligence artificielle. Votre Excellence, grâce à votre volonté politique et à votre vision éclairée, le Sénégal et par extension l'Afrique tout entière sont aujourd'hui au centre d'une révolution scientifique en gestation. Avant de conclure, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à notre cher professeur Awa Marie Golsek et à la formidable équipe de Galien Dakar. À la centaine de bénévoles qui n'ont pas ménagé leurs efforts toute cette semaine, et notamment le colonel Ibrahim Assek, le docteur Daya Sissoko Bey, Bouba Sow, et bien sûr une pensée à notre ami Laurent Taïeb. Voilà, Monsieur le Président de la République, votre héritage dans le domaine de la santé
est entre de bonnes mains. Il transcendra votre mandat et laissera une empreinte indélébile dans les annales de l'histoire africaine et celle du prix Galien. Alors, je voudrais, au nom de la Fondation Galien et de tous les innovateurs en santé, vous exprimer une gratitude infinie. Niofar. Merci Bruno. Après Bruno Cohen, nous allons donner la parole à Madame Moyeti. Moyeti, c'est la directrice régionale OMS Afro. Mais aujourd'hui, vous allez parler au nom de Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Madame, vous êtes chez vous, le Sénégal. Vous aimez bien ce pays. Merci. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, ma chère sœur, Son Excellence, Professeur Awok Marie Kolsek, ministre de l'État à la présidence et président de l'Association Galienne Afrique, Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galienne, toute excellence, chers collègues et amis, j'ai à nouveau le plaisir de me joindre à vous cet après-midi pour la troisième cérémonie de remise des prix Galienne après les sessions de ce matin. Je vous transmets les chaleureuses salutations du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, notre directeur général qui je représente. Je réitère, Monsieur le Président, son profonde gratitude à vous pour l'avoir invité spécialement. Malheureusement, il n'a pas pu se déplacer pour venir ici. Il a maintenant toute une série de comités régionaux à gérer pour l'OMS. Il n'est pas surprenant que le Sénégal perpétue la tradition du prix Galien. Votre pays valorise l'innovation et s'est imposé comme l'un des pôles technologiques de l'Afrique. Et je vous remercie, vous personnellement, Monsieur le Président, pour avoir poussé et accéléré cette direction du pays. L'accueil du prix Galien par le Sénégal en est une preuve supplémentaire. Les prix Galien encouragent la recherche, l'innovation et la commercialisation de produits pharmaceutiques, biotechnologiques et diagnostiques pour une meilleure santé. Excellence, Monsieur le Président, j'ai transmis vive l'appréciation de Dr Tedros pour les prix de cette année. Ce prix fait suite aux leçons tirées de la pandémie de COVID-19. Les chercheurs, les scientifiques, les innovateurs et les fabricants ont rendu l'impossible possible en collaborant pour mettre au point un vaccin plus rapidement que jamais. Il a fallu relever un défi de taille, sortir de sentiers battus, mettre en place une coopération inter-entreprise et surtout travailler très dur. Les deux scientifiques qui ont reçu le prix Nobel de médecine ce lundi sont ceux dont les travaux ont permis la création de vaccins de mRNA, excusez-moi pour l'anglais, contre le COVID-19, qui ont joué un rôle essentiel dans le ralentissement de la pandémie. Cette technologie est également étudiée pour lutter contre le cancer et d'autres maladies. Félicitations, Monsieur le lauréat du prix Galien. Vos travaux démontrent que nous pouvons façonner l'avenir grâce à nos idées et nos découvertes dans le domaine de la santé. Avant de terminer, Monsieur le Président, je veux vous remercier aussi parce que nous avons été inspirés par votre esprit d'innovation à l'OMS pour établir un hub pour les épidémies et les urgences sanitaires. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien pour ça. Nous allons faire un succès de cette rencontre. En tant qu'agence des Nations Unies reliant les nations, les partenaires et les personnes pour promouvoir la santé, nous sommes très heureux
de soutenir les plis galiennes de cette année. Et je vous remercie encore une fois pour votre encouragement, Monsieur le Président. Merci, merci au docteur Moëti, directrice régionale de l'OMS Afro, qui représente Monsieur le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous nous félicitons de la présence parmi nous du ministre d'État Mbaye Ndiaye, mais également de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khémès Ngom Ndiaye. Monsieur le secrétaire général de la présidence, merci. Merci de l'accompagnement, mais également de l'appui. Madame le ministre des Sénégalais de l'Extérieur, Dr Annette Seck Ndiaye, vous avez été directrice de la PNA, qui est devenue CNPNA. Aujourd'hui, vous êtes ministre des Sénégalais de l'Extérieur. Vous êtes parmi nous. On parle de Galien. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, nous avons notre culture, la culture sénégalaise. Et un poète président disait, quand on perd sa culture, on perd son intelligence. Nous avons l'honneur d'accueillir l'ensemble lyrique traditionnel pour une composition musicale qui vous montre encore une fois les facettes de notre culture. S'il vous plaît. Président Macky Sall ya non xalé tok len ci dëkk bi mbay maangi ni suuf saangi ni ndox maangi ni dama bëgg ngeen bay nax mbay mo yorum rew sal ngar yow ya wax lolu nañu tok Sénégal mbay maangi fi mbokk maangi fi dugub jaangi fi sal ngar lam tor du nal ba mu yag lool say may di bawan sarwa yo ala ni rebe tamba yele president Macky Sall ni tala maliku na otorun apeas ala ni president Macky Sall ni tala maliku na sa transfert fila ala ni president Macky Sall sarwa yo merci. Alors, pour nos amis qui n'ont pas bien compris cette chanson, c'est que nous avons eu la chance d'avoir un chef d'État qui est d'origine polaire, mais qui est né en pays serrère. Le président de la République, comme l'ont souligné ces vaillantes dames et ce monsieur qui a pris tout à l'heure la parole, sont revenus sur un aspect important de notre culture, à savoir le syncrétisme culturel, ce qui se passe dans les différentes régions du pays. Et pour la petite histoire, Michel Sidi Bé, le président est issu d'une famille guerrière, et dans la chanson, ces dames ont ressorti cet aspect
qui fait de l'homme d'État que M. le Président est une vision avec le PS jusqu'à 2035, comme pour dire que le Sénégal est sur de bons rails. Excellence, M. le Président de la République, merci. Mesdames, Messieurs, nous allons inviter deux personnalités, mais juste se féliciter de la présence de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Mankeur Ndiaye, que je vois derrière, qui a fait le déplacement. Et je rappelle que Mankeur Ndiaye a dirigé l'UTIE. C'est lui qui était à la tête de l'UTIE avant le professeur Aoumari Kolsing. En tout cas, M. le ministre, merci d'être venu. Professeur Amadou Gallo Diop, merci à vous également, Alpha Sall, professeur Souleymane Mboub, mais également le docteur Mamadou Seck. Merci d'être là avec nous. Merci pour le soutien. Professeur Souleymane Mboub, nous allons vous inviter à venir ici pour nous aider à annoncer les lauréats. Oudette Bouchamawi, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a été prix Nobel. Donc, madame, encore une fois, merci d'être venue au Sénégal. Venez, s'il vous plaît, pour nous annoncer les lauréats de cette année. Merci. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, chère Madame la Ministre de l'État, ma chère amie, je dirais, Awa Macky Sall. J'étais certaine que j'allais me tromper. Awa Marika Kolsek, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là à Dakar. Je me considère chez moi au Sénégal. Merci pour votre générosité, votre hospitalité. Je tiens à exprimer ma gratitude, Monsieur le Président, en mon nom personnel, au nom de tous les membres du comité d'honneur, de tous les membres du conseil d'administration, de tous les membres du jury du prix Galia, d'avoir bien vouloir accepter de parrainer cette troisième édition du prix Galia. Votre présence, Monsieur le Président, est le témoignage de l'importance que vous accordez à la recherche, l'innovation, la santé et surtout au travail des jeunes et des femmes. Je souhaiterais aussi attribuer une mention spéciale aux organisateurs qui œuvrent avec dynamisme et persévérance pour faire réussir ce forum. À tous les lauréats ici présents, je dirais toute mon admiration pour le travail remarquable et les efforts de recherche que vous avez fournis. Je veux aussi saluer les membres du jury, dont la tâche est toujours délicate, mais vous avez fait le bon choix. Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, je suis heureuse de vous apporter la bonne nouvelle. Nous avons décerné 3 prix sur 4 et un prix spécial. Le professeur Souleymane Mboub va annoncer les noms des lauréats. Merci à vous. Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, professeur Aoumari Kolsek, Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs et qualités, Monsieur Mankeur Ndiaye, je ne suis pas diplomate, mais je tenais à n'oublier personne. Donc j'utilise cette formule qui est connue de tous. Et pour les anglophones, all protocol observe. Donc je pense que comme ça, parce que je me suis retrouvé avec beaucoup d'amis. Et peut-être ma première satisfaction, c'est l'opportunité de rassembler tout ce monde qui ne se voit pas pendant des années et qui, grâce à cette occasion, se retrouve. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez tenu à marquer votre mandat en annonçant ici même, dans cette salle, un plan stratégique national sur la recherche, l'innovation et l'industrialisation de 10 ans
à partir de 2023. Ce plan est bien établi et une des activités phares sera la Biennale de la recherche et de l'innovation qui se tiendra à Dakar du 28 au 30 novembre et qui a fait des émules à partir de ce forum gallien. Donc vous n'arrêtez pas de votre productivité et nous tenons à vous en remercier et c'est un événement fondamental qui fait suite à tout ce qui a été mis en œuvre et pour lequel la Côte d'Ivoire sera le pays invité d'honneur. Monsieur le Président de la République, je voudrais féliciter tous les membres du jury, mais c'est surtout féliciter l'évolution de la qualité de ce forum gallien et de ce prix gallien. Les membres du jury que nous avons dirigé, le docteur John Kengason et moi-même et tous les autres, ont eu une tâche très ardue pour départager. Cette année, nous avons reçu des candidatures d'une très grande facture et nous avons été très agréablement surpris par la grande qualité des propositions. Et contrairement aux autres années, là, nous avions tellement de candidatures de qualité que nous avons eu beaucoup de difficultés à faire des choix. Heureusement, ce choix a pu être fait et je vais vous annoncer les différents lauréats. Pour ce qui est du meilleur produit de tradithérapie, c'est un phytomédicament FACA avec professeur Sylvain Ouedraogo du Burkina, qui est alité, et sera représenté par un collaborateur. Ce produit est un médicament traditionnel amélioré à base de poudre d'écorce et de racines de deux plantes médicinales de la flore burkinabé, qui est utilisé pour la prise en charge des crises drépanocytaires. Et nous connaissons combien cela pose sur le plan santé publique. Donc voilà pour ce qui est du premier prix. Pour le prix du meilleur produit biotechnologique, il s'agit d'un vaccin contre le paludisme, malaria vaccine. Et le lauréat est le professeur Adrien Hill. Et ce n'est pas parce que c'est un ami personnel et un collaborateur très proche, mais tout le monde connaît le mérite d'avoir un vaccin contre le paludisme. C'est un vaccin qui est efficace, qui est nécessaire de toute urgence pour réduire considérablement le fardeau inacceptable et persistant du paludisme au niveau international et particulièrement en Afrique. Et l'OMS, je crois, a accepté vraiment de donner l'agrément à ce vaccin. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que les essais cliniques aussi ont été ici effectués en partenariat en Afrique et particulièrement au Burkina Faso avec des collègues africains. C'est eux qui ont démontré l'efficacité de ce vaccin. Enfin, pour ce qui est de la meilleure technologie ou solution digitale, c'est le NeoGuard Vital Signs Monitor avec
comme lauréat Madame Sona Shah, qui sera représentée. Elle est du Kenya. C'est une technologie qui permet une intervention précoce auprès des patients en détresse, notamment les bébés, et qui réduit le risque de complications et améliore les résultats pour les patients. Voilà, Monsieur le Président de la République, les lauréats et les produits qui ont été primés dans cette session. Nous vous remercions. Merci, merci au professeur Souleymane Boub, merci également à madame le prix Nobel. Nous allons demander à monsieur le secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal de donner d'abord le premier prix. Madame le ministre va également remettre un prix. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Sylvain, son représentant. Les trois premiers. Sera remis par Madame le ministre de la Santé, Dr Marie-Clémence Ngom-Diaye, à Viviane Citron, meilleur produit de biotechnologie. Adrien aussi. Meilleur dispositif médical, solution digitale, à Sona Shah, qui nous vient du Kenya, pour son représentant. Le prix. Par Madame Moyeti, au nom du directeur général de l'OMS. Alors, il reste le plus spécial. Et Peter Piot, notre hôte du jour, va remettre ce prix. Docteur Amadou Sall, vous venez annoncer le prix spécial. Et c'est le professeur Piot qui sera à ses côtés, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Donc, professeur Sall, vous allez nous annoncer le prix spécial en compagnie du docteur Peter Piot. Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame le ministre d'État, professeur Aoumari Kolsek, chers invités en vos rangs, titre, grade et qualité, nous avons l'immense plaisir d'annoncer le prix spécial en compagnie du professeur Piot. Le prix spécial cette année sera remis au professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui est le co-découvreur du virus Ebola. Et c'est un immense honneur pour moi d'annoncer ce prix,
puisqu'il fait partie des virologues qui nous ont inspirés pour faire de la virologie. Et nous avons l'honneur de l'appeler Gigi, et son grand compère qui est co-découvreur du virus est le professeur Peter Piot, qu'on appelle Pépé. Donc Pépé et Gigi. Merci Amadou, Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre. C'est un très grand honneur et un plaisir et avec émotion que, une fois de plus, avec mon grand frère et celui qui m'a inspiré pendant toute ma carrière, le professeur Gégé Mouyembe, Jean-Jacques, pas seulement pour la co-découverte du virus Ebola, mais aussi pour avoir développé un institut de renommée internationale, l'Institut national de recherche biologique, biomédicale, qui est vraiment, on peut comparer aux grands instituts n'importe où dans le monde. Et j'ai vu comment ça s'est développé, parfois contre tous les vents et contre... dans beaucoup de difficultés, et vous êtes vraiment un géant dans la science médicale, la virologie, mais aussi, je dirais, le développement avec tous les jeunes que vous avez formés. Ça doit être dans des presque 50 ou une centaine, et ça aussi, c'est une contribution qui est fondamentale. Et en mai, on était tous les deux honorés à l'OMS, et c'était très émouvant pour moi d'être ensemble. Encore une fois, merci beaucoup au jury, et encore toutes nos félicitations pour ce prix qui est sans égal. C'est très gentil. C'est à Monsieur le Président de la République de lui remettre ce prix. Donc Jean, c'est à vous qu'il faut remettre ce prix. Jean-Jacques Mouyembe. Le prix spécial à Jean-Jacques Mouyembe. Merci. Il va dire un mot de gratitude, mais également de remerciement. Jean-Jacques, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République du Sénégal, cher professeur Awa-Kolsek, chère Madame Mouiti, chère Madame Prix Nobel de la paix, Mesdames et Messieurs, à vos titres et grades respectés, tout protocole respecté, comme a dit mon ami Suleiman Boub, je suis vraiment ému de me trouver comme ça devant vous. Mais je me rappelle d'une date, c'est en 1981, j'avais décidé de passer mon congé sabbatique à l'Institut Pasteur de Dakar pour étudier les arboviroses. Je suis donc un produit du Sénégal. Tout à l'heure,
Amadou Sall a dit que c'est moi qui l'ai inspiré, mais je dirais plutôt que c'est l'Institut Pasteur qui m'a inspiré pour construire des infrastructures de recherche dans mon pays, développer des ressources humaines, tant scientifiques que technologiques, et faire face aux épidémies meurtrières telles que Ebola, Marburg et Covid. J'ai vraiment été inspiré par Pépé Piot. C'est vice-versa. Voilà, et franchement, c'est la coopération, la collaboration internationale qui a permis que nous puissions devenir des leaders dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses. J'ai connu le professeur à Orcolsec lors d'un congrès sur le VIH-SIDA en République démocratique du Congo. Je l'ai reçu chez moi. Et mon fils cadet, qui était vraiment un bébé, c'est l'accompagnant. Maintenant, c'est devenu un homme. Et depuis lors, nos chemins n'ont cessé de se croiser. On se rencontre souvent à Genève, on s'est rencontré même au Vietnam, en Belgique, bien sûr, ici à Dakar, lors de journées médicales de langue française. Malheureusement, ces journées ont été à supprimer, je ne sais pas pourquoi, mais c'était pour nous l'occasion de venir à Dakar et d'admirer et de travailler avec nos collègues. Voilà, je pense que tout ce que notre collègue Awa Kolsek fait, c'est vraiment pour le développement de l'Afrique. Et nous devons avoir cette même vision, nous qui sommes des grands spécialistes des maladies infectieuses, nous avons tiré des leçons de cette lutte et nous pouvons transférer les connaissances dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Et la chose la plus importante pour moi, c'est la communication des risques et l'engagement communautaire. Sans l'engagement communautaire, nous ne pouvons rien faire. Et toutes ces maladies ont des aspects socio-culturels. Ce sont des maladies socio-culturelles plus que des problèmes médicaux. Et donc, il faut associer les anthropologues, les sociologues, les communicologues qui doivent nous accompagner dans la lutte. Et donc, la multisectorialité doit se compléter par la multidisciplinarité. Ceci est très important. Nous avons fait ça et nous avons eu du succès. Voilà, c'est vraiment pour moi un grand honneur de recevoir ce prix et je remercie d'une façon particulière le président du jury, mon ami Mboup, et John, il est là, John Kengason et tous les membres du jury. Je pense que, bon, ce n'est pas un accident parce que moi je ne suis pas jeune, et je ne suis pas une femme non plus. Hein? Le,
les forums étaient pour les jeunes et pour les femmes. Bon, les accidents arrivent. Et je rentre, j'étais venu mais vide de Kinshasa. Je rentre maintenant avec les mains chargées. Merci. Merci. Merci à Jean-Jacques Muyembe. Merci également à Madame le ministre d'État d'être venue cet après-midi. Merci à Madame Mariam Badiane. Merci au docteur Abdoul Kane, cardiologue, et au professeur Gueye des laboratoires ici présents. Excellences, Monsieur le Président de la République, ils se sont renvoyés la balle pour ceux qui les ont inspirés. Mais nous, dans le cadre de l'accessibilité géographique et financière, par rapport aux médicaments, par rapport aux maladies non transmissibles, c'est vous qui nous avez inspirés. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez vous adresser à toute l'assistance. Mais Madame le ministre d'État l'a dit quelque part, nous sommes vraiment chagrinés. Nous ne savons pas entre quelles mains vous allez nous mettre en rapport. Et là, c'est une inquiétude, mais vous êtes un bon croyant. Laissons tout entre les mains de Dieu. Excellence, Monsieur le Président. Dieu vous donnera un bon dirigeant. Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie, Rombaye Diouf. Dieu vous donnera un bon leader. Madame la ministre d'État, professeur Awamari Kolsek, présidente du prix Galien Afrique, mesdames et messieurs les ministres d'État, madame la ministre de la Santé, de l'Action sociale, mesdames et messieurs les ministres, cher Bruno Cohen, président du prix Galien International, madame Bouchamaoui, prix Nobel de la paix, c'est pas madame prix Nobel de la paix. Excellences, mesdames, messieurs les ministres invités, cher Raymond de Côte d'Ivoire, distingués professeurs, chers lauréats, lauréates et lauréats, je devais commencer par madame la directrice Afrique de l'OMS, docteur Moëti, qui est venue représenter notre ami, le directeur général de l'OMS, cher Michel Sidibé, distingués participants, mesdames et messieurs, je me réjouis de vous recevoir à nouveau au Palais de la République à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Galien Afrique dédié à la recherche, à l'innovation dans le domaine de la santé. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre contribution aux travaux du Forum Galien. Pour une heureuse coïncidence, le Forum Galien Afrique se tient cette année en pleine campagne de sensibilisation mondiale sur le cancer, en particulier celui du sein, campagne communément dénommée Octobre Rose. C'est dire que le thème de cette sixième édition du Forum, la troisième édition du prix Galien Afrique, est d'actualité, puisqu'il porte sur les maladies non transmissibles, les MNT, dont le cancer. Les MNT, comme on le désigne dans le jargon médical, augmentent partout, et particulièrement dans les pays en développement, où elle continue de poser un véritable problème de santé publique. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, ces pathologies causent 41 millions de décès chaque année. C'est énorme. 41 millions de décès
soit 74% de l'ensemble des décès dans le monde. Et sur l'ensemble des décès imputables au MNT, 77% se produisent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. S'y ajoute que les maladies non transmissibles sont chroniques et exigent de ce fait une prise en charge sur la durée, souvent ruineuse pour le patient et pour la famille. Coûteuse, cette prise en charge, également pour le système de santé publique. Ces maladies restent ainsi un défi majeur pour l'Afrique, en dépit des avancées, notamment en matière de couverture sanitaire universelle et de relèvement du plateau médical, mais aussi malgré l'évolution de l'innovation en Afrique et des avancées biotechnologiques. Au Sénégal, nous avons mis en place un plan stratégique national de lutte contre les maladies non transmissibles, dont l'objectif principal est de limiter le taux de morbidité et de réduire le nombre de décès prématurés par le renforcement de la prévention grâce au dépistage et à la prise en charge précoce, mais également la lutte contre les facteurs de risque. Aussi, nous avons considérablement amélioré la carte sanitaire avec la construction et l'équipement de nouvelles structures de santé, des hôpitaux de dernière génération, le relèvement du plateau médical et surtout le renforcement des effectifs. S'agissant du cancer en particulier, je voudrais mentionner la construction en cours du Centre national d'oncologie de Diamniadio et la gratuité du traitement du cancer féminin, pour être plus précis, c'est du traitement de la biopsie. L'installation de cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle, mais également l'installation d'unités de dialyse dans plusieurs centres de santé. Et tout cela procède de la même volonté de renforcer le dépistage et la prise en charge de proximité. Mesdames et messieurs, il reste que nos défis sont encore nombreux en Afrique, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge des maladies non transmissibles. C'est pourquoi nous devons maintenir nos efforts d'investissement dans les ressources humaines, les infrastructures et les équipements et produits médicaux et biotechnologiques, y compris les vaccins. C'est pourquoi je félicite l'inventeur du vaccin contre le paludisme. J'espère qu'il ne sera pas aussi cher que le vaccin anti-Covid. Je l'espère. Mais en tout cas, c'est un vaccin qui est très attendu, puisque depuis très longtemps, je me rappelle, il y a longtemps de mes cours de biologie animale, du Plasmodium falciparum, c'est bien cela, docteur. Vraiment, on attendait depuis très longtemps la découverte du vaccin contre le paludisme. Pour en revenir au prix Galien Afrique, qui est partie intégrante désormais du Forum Galien Afrique, je rappelle que sa vocation est de stimuler l'excellence dans les domaines cruciaux de la recherche, de l'innovation au service du continent. Ce prix reconnaît et récompense des personnes physiques ou morales ayant mis au point des services et produits innovants dans les domaines biotechnologiques, pharmaceutiques et de la tradithérapie pour faire avancer la médecine. Cette année, contrairement à l'année dernière, il est heureux
que 3 candidats aient été primés dans les 4 catégories prévues au palmarès du prix. Il s'agit du professeur Sylvain Ouedraogo du Burkina Faso, l'a dit, pour le meilleur produit de tradithérapie améliorant la prise en charge de la drépanocytose. Bravo, professeur. Du professeur Hill Adrian Vivian Sinton, I hope I pronounce it correctly, du Royaume-Uni, pour le meilleur produit biotechnologique avec la mise au point d'un vaccin antipaludéen efficace. Bravo également, professeur. Et de l'entreprise kenyane Neopanda, représentée par Madame Sona Shah, pour la meilleure technologie médicale, notamment un moniteur portable de signes vitaux fournissant à temps réel les données de la situation du patient. Bravo également à cette lauréate. À présent, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de nos lauréats et lauréates, et particulièrement au professeur Jean-Jacques Muyembe, je ne peux pas dire Gigi, mais en tout cas, ainsi que le professeur Peter Piot. Mais vous félicitez professeur Jean-Jacques Muyembe, on vous attendait l'année dernière, mais pas pu être là, mais pour ce prix spécial qui vous a été décerné en 2022 et que vous êtes venu aujourd'hui prendre, je voudrais vous féliciter l'ensemble des lauréats. Avec la professeure Eva Maricole, nous avons décidé depuis l'année dernière de remettre 30 millions de francs CFA à chaque prix, un peu 30 000 euros. Et j'ai aussi demandé, fait un appel aux partenaires pour qu'ils accompagnent, pour qu'on rehausse aussi, qu'on augmente la valeur du prix, comme un peu le prix que j'ai donné au CAMES et qui récompense à hauteur de 100 000 dollars par an les inventeurs, qui est le prix Macky Sall, dont une des lauréates est là, professeur. Mais j'espère que vous avez reçu votre prix. Hein. Parce qu'avec les procédures administratives... Ça fait partie des produits que nous avons. Très bien. Voilà. Alors, merci, chers lauréats, pour vos innovations importantes qui contribuent à améliorer la condition humaine en renforçant la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles. Vous méritez nos applaudissements. Je remercie le comité d'organisation du forum, la présidente, les membres du comité scientifique, les membres du jury, ainsi professeur Mbouk et le docteur Kengançon, ainsi que tous les autres membres du prix pour le temps et les efforts consacrés à leurs tâches respectives. Merci également à tous nos partenaires pour le soutien précieux qu'ils continuent d'apporter au Forum Galien Afrique et au prix Galien Afrique. Je veux saluer la Fondation Gates et la Fondation l'OAS de la CDAO, et également il y a la Fondation Buffett, voilà, Suzanne et voilà, la Fondation Buffett également. Comme vous le voyez donc, la marche est longue pour atteindre tous nos objectifs, mais ensemble et solidairement, nous y parviendrons. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons le plaisir de vous annoncer encore une fois toute la satisfaction de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Madame Fatma Guenoun, ici présente, se félicite de cet institut d'oncologie, ce centre d'oncologie qui sera construit, qui est en train d'être construit au niveau de Diamniadio. Également, merci au docteur Kassé.
Les partenaires qui nous ont accompagnés, le chef de l'État en a parlé, la Fondation S, ARC, Speak Up Africa, Global Financial Facility, l'Institut Pasteur de Dakar, l'ambassade de France, ACD, mais également Carrefour Médical, Technologie Service, la CNPNA et Cardio Fort. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à ce niveau, mais également nous remercier encore une fois de votre présence. Excellence, nous allons faire une photo de famille pour immortaliser cet événement. Avec vous d'abord, ensuite les ministres et les lauréats. Vous êtes invités à participer à cette photo de famille. Madame le ministre d'État. Donc c'est une seule photo d'ensemble avec l'ensemble de nos invités. Madame le ministre d'État, Madame le ministre de la Santé, Docteur Moëti, Madame Prix Nobel. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Michel Sidibé. Les lauréats. Merci également à Monsieur le conseiller spécial de Monsieur le président de la République, le professeur Ba, pour son accompagnement.